Voilà, je rappelle que nous sommes avec Achaya, qui est une herboriste, une jeune herboriste, bête madame bien intéressante à rencontrer. Si autres mêmes autres voulaient rentrer en contact avec eh bien, il y a des autres qui mouniller pour vous autres bien comprendre qu'elle a proposé les autres. Donc, je suis sur Sainte-Rose, donc je suis herboriste et je vends aussi des plantes médicinales séchées. Donc, mon numéro de téléphone 06 90 52 06 64. Vous pouvez trouver mes tisanes au marché bio aussi, hein, les jardins bio réunis. Donc, ça se présente comme ça. Hein, il y a différents modèles de plantes. Je vais montrer de mon côté. De plantes, c'est pour si vous n'avez pas les plantes chez vous. On a la toumeau, la citronnelle, la trois tasses, etc. Donc, vous pouvez les trouver dans les magasins bio et aussi, donc, je disais, aux jardins bio réunis. Hein, notre petit local bio où on propose à tout le monde tous les produits bio de Guadeloupe. Donc je fais un petit coucou à Madame Yvelle Atalis qui est un poteau mitant du local et qui travaille fortement avec force et courage dans le local pour distribuer aux Guadeloupéens tous les bons produits de tous les producteurs bio de la Guadeloupe, enfin, en tout cas la majorité. Et donc vous pouvez trouver au jardin bio réuni, à part mes tisanes, tout ce qui est produits de saison, hein, donc vous pouvez trouver salade, vous pouvez trouver banane, vous pouvez trouver tout fruit, goyave, tout ça qui est rare, tout ça qui concombre, quand on dit encore banane, tomate, ananas, fruits à pain, racines, oui, on va pas oublier fruits à pain là, les gens, ziam, enfin tout bitin de saison. Il y a aussi le poulet bio. Oui. Mais attends, qu'est-ce qu'il mange? Si je suis végétarienne, mais bon. Oui. Mais qu'est-ce qu'il mange le poulet bio? Il a mangé qu'on nous touche. Ah, il a mangé bon bitin. et voilà. Donc c'est là que vous pouvez trouver tout ce qui est bon, parce que c'est important aussi de manger bio, de manger sain, parce que les pesticides c'est vraiment un fléau. Et quand on voit qu'on a quand même notre petite boutique où on propose tous les produits locaux bio, donc vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le choix. Voilà. Et ça se trouve où, cette petite boutique? Alors oui, pardon. Alors c'est à Bemao, hein. C'est après le lycée agricole, immeuble Métis, à Convenance. Voilà. Donc c'est facile l'accès, on voit. C'est facile à trouver, vous dépassez la chambre d'agriculture, c'est le prochain immeuble après la chambre d'agriculture à Convenance, je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est facile à trouver. Et puis c'est écrit dessus, marché bio? C'est écrit dessus, les jardins bio réunis. Bio réunis, voilà. Les jardins bio réunis. Et tu as donné ton numéro de téléphone, s'il le faut qu'on rebaille encore. Alors, voilà. Je vois qu'il y a deux, trois petites choses que tu as emmenées sur la table. Il y a des petites graines, là. Qu'en pensez-vous, ces graines? Alors, j'ai emmené, parce que je voulais vraiment insister sur l'alimentation aussi. Hein. Il faut manger sain. Donc, on disait qu'il faut manger bio. Mm-hmm. Là, j'ai emmené des petites graines de moringa, parce que, bon, ça, ce sont les graines, mais quand on les plante, ça donne un arbre. Mm-hmm. L'arbre donne des petites feuilles qu'on peut manger tous les jours dans ses salades, rajouter dans tout ce qui est alimentation. Et ça aide pour ce qui est anémie. Oui. En fait, ça aide pour tout. Il y a du magnésium dedans, différentes vitamines. Enfin, c'est vraiment complet pour tout ce qui est anémie, en prévention et aussi pour combattre toutes les maladies, en curatif, voilà. Pas que on parle des grippes, mais il y a aussi toutes les autres maladies dont on a l'habitude. Constipation aussi, les graines, on peut manger comme des cacahuètes, je sais que ça marche. Alors c'est amer. Oui, et il faut y manger une parce que sinon il est... Voilà, non, il ne faut pas abuser. Hein. C'est puissant. Hein. C'est très puissant, ça nettoie vraiment. Bon, après, j'ai emmené quelques huiles essentielles pour ne pas oublier de parler des huiles essentielles et de dire aux personnes de ne pas oublier d'acheter. On a la Ravinsara, on a l'équinacée, ou bien... moi, j'ai un petit complexe, là, sans donner la marque, mais c'est un petit complexe de plusieurs huiles essentielles dont vous pouvez prendre une petite goutte. Et puis vous mettez sur votre... Au lieu d'utiliser les gels, moi j'utilise plutôt ça. On met des petites huiles essentielles comme ça, là, sur le front, en bas du nez, là, sur les poignets. Et puis on marche comme ça avec toute la journée. Par contre, c'est une petite goutte. Faut pas commencer à se mettre plein d'huiles essentielles. D'accord. Parce que l'huile essentielle, c'est un concentré de plantes. Donc c'est en petite goutte. Ouais. Soit en bas mascao, soit en bas néao. Et puis... justement, voilà. Sous le masque, ce serait bien...
Parce que des fois, on l'a toute la journée, enfin, voilà. On porte le masque, on enlève, on remet, mais... Pour éviter de respirer le gaz carbonique toute la journée, on peut préférer respirer de l'eucalyptus, ravinsara, pain, voilà. Tout ce qui est de la famille du pain. Bonne idée. C'est une bonne idée. Par contre, à côté, au Niroukou, là. Ah oui, alors emmener Roukou là, parce que pour protéger Paula, parce qu'il y a la dengue et le chikungunya qu'on n'a pas oublié. Alors, quand mettre un Roukou en l'huile cocoa, et on peut passer l'huile cocoa à si on met l'huile essentielle citronnelle, pour éviter que le moustique la pique, pour protéger Paula, et comme ça, on peut prévenir, on peut pas attraper la dengue. L'huile, on dit un Roukou, un l'huile coco, c'est ça? Alors, moi, je mets de quelques graines de roucou dans mon huile coco, dans ma petite bouteille d'huile coco, et puis avec peut-être deux petites gouttes d'huile, moi je mets d'huile de bois d'âne, parce que la citronnelle, j'aime bien, mais j'aime bien le bois d'âne. Ça aussi c'est pas mal. Ça repousse aussi. Et oui, c'est pas mal. Voilà. Donc en cas fait anti-mélange, et huile essentielle, en cas mettre petit bois roucou, huile essentielle de bois d'âne, dans l'huile coco en moins, et en cas passer... Contre les moustiques. Contre les moustiques. Même pour les tout petits qui sont piqués en ce moment, c'est terrible. Ouais. Très très bien. Nous avons resté là, quand il y a encore ces tables-là, on parle de nous d'état là. À tout moment-là, mon pot parle de nous d'état là. Alors, ça c'est pour le bois là, c'est ça? Voilà, alors c'est pour le bois, c'est Véronique, pareil, ça c'est nettoyage, hein. C'est pour nettoyage de l'intérieur. De l'intérieur. Hein. Et, mais ça par contre, c'est faux liposologie. Hein. C'est pas tous les jours, c'est pas une pointe toutes les comme ça. Voilà. Ah, nous quand rappelez quand même, vous parlez nous des petits marchés là. C'est vous qui avez fabriqué ça, hein? Oui, ça c'est produit en main. C'est vous qui avez fabriqué. Alors, c'est plaisir, un petit mélange de type... Ça c'est tard, Ah, mais merci, on va pas mettre en tête tout de suite l'arrivée à casa. Alors, c'est plante Atumo qui mélangeait avec... Donc, Atumo citronnelle et trois tasses, la brisée. Parce que mélange là, ça a vraiment fonctionné bien. C'est un bitin coupé en préventif. D'accord. Et aussi en curatif. Et ou pas ni contre-indication. Ou peut boire le matin, le midi, le soir, ou peut boire toute la semaine. Il ne peut pas empêcher au lit de dormir. Rien, au contraire, il peut dormir, il peut relaxer, il peut parfumer, il peut aider à digérer aussi. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et Tala, c'est tout velouté, là, Tala, c'est... Tala, c'est végébom, là. Alors, moi, mais c'est vrai qu'il y a collé, tu sais, comme si... Voilà. Comme si il y a qu'à bas ou crème, là. Tu sais, quand tu passes ta main dessus... On dirait que ça te donne déjà la crème pour la l'odorant. Alors, faut en renseigner même bien si tu as là. Mais moi, qui j'ai encore utilisé, encore mettre tout de côté. Alors, sans te blé conseiller, moun, parce qu'il est quand même il est facile à planter. Ou qu'à planter ça tout de côté en janvier. Bon, pas tout de côté, ça passe pas. Oui, dans les vraiment, il a ouvert. Voilà. Alors, faut ça, ça dépend de l'espace là où il a. Mais quand il a senti en l'eau, il a éloigné des bitins, il a fait travail à, les insectes, les machins, voilà. Et en même temps aussi, il y a des propriétés. Alors moi, pas qu'à prendre une tisane, mais en cas mettre assis pour en nettoyer. Mais je te dis franchement, j'aurais bien aimé que vous puissiez avoir ça dans le... Fort, hein? Non seulement il a senti fort, mais quand tu fais ça, tu as l'impression qu'il y a un petit peu de crème dessus, je te dis. C'est vraiment son bon, belle petite plante. Et vous pouvez déposer les machins, à qui garder ta là, moi pour vous en terre, moi pour faire partie en case. Ah, merci beaucoup. C'est soit ou quand mettez dans de l'eau et en trois. Ah, quand mettez en terre directement, parce que là, moi, j'ai une petite plante, quand vous posez en terre, quand vous faites ce chemin. Alors, nous allons continuer vers Achaya, santé, vraiment, en ce moment-là. Vous parlez pas de monde qui a attrapé Covid, j'espère, pour voir dans ces problèmes-là, ça. Alors, moi, un chanceux, parce que les monde qui attrapent Covid, loin de moi. Voilà. En pas ni pour une proche de moi qui travaille. Des amis, des mots comme ça. Donc, bon, on ne peut pas dire que nous tous, Tibouin ni Tibouin père. On ne peut pas aimer dire père, mais bon. Il faut nous avouer quand même, honnêtement, tout le monde. Parce qu'on ne connaît pas. Nous avouer qu'il n'y a pas de mort. C'est ça. Nous, nous c'est une maladie qui a circulé. Bon. Donc, eh bien, moi. On est tout bitter, on est tout pharmacopée en moins, là. Et ce n'est pas pour dire qu'on prend tous les jours non plus. Mais là, on a senti un petit baisse de forme, on a fait un petit jus de fruits, on a mis l'aloe à dedans et on a boire. Oui, l'aloe là bon pour l'obité aussi. Échinacée, c'est une plante qui peut remettre le système immunitaire en place. D'accord. 30 gouttes. Il n'y a pas de quinine, c'est pas ça?
Alors non, alors il dit que d'après on pas dit pas de bêtises, mm-hmm. mais il dit que c'est Douvaneg, c'est ça. Douvaneg. Hein? C'est Douvaneg. Alors on pas ni plante là là. Il dit que c'est Douvaneg, ouais. on peut pas confirmer, on pas mm-hmm. ça. On pas ça. Mais on savent que Ekinase avant que il n'y a rien, mm-hmm. on toujours savent qu'il a remettre système immunitaire en place. Ça peut flore intestinale, hein, mm-hmm. flore vaginale, hein, mm-hmm. quelle que soit flore là qui est bien chouboulée, mm-hmm. et qui n'a c'est là qu'à aider. Et qu'à rééquilibrer. En j'a testé assez moins. Ouais. Donc on peut confirmer que ça a fonctionné. C'est ça pour nous faire tester. Hein. Si nous n'avons doute, voilà. nous pas tester et puis nous pas prendre l'eau. Et ensuite nous pouvons voir que j'ai un col là. Mais moi, on n'a ni problème là. Donc ouais. on a utilisé, on fait en cure de 2 semaines. C'était mm-hmm. 30 gouttes, matin et soir. Mm-hmm. 30 gouttes. Et ça remet tout le système en place. Et même si on n'a pas pointé, même si des on ne peut pas dire. D'accord. Parce que donc, il faut pas chercher des babes. Non. Ça, c'est parce que ça, c'est bon. Des gouttes, etc. Ce n'est pas le même bétain qui c'est peut... C'est pas pareil. Ouais. Qui plante là. Et en panique plante là, c'est en ouais. plante impassable. Il doit être ni équivalent là. Donc, oui, parce que toute plante, c'est plante en fait. Hein. Mais à part que, comme on va dire, il faut nous privilégier ça qui a poussé à casa nous. Exactement. C'est ça. Mais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on aurait été prudent en l'air consommation. Hein, c'est là nous pas connaître là. Et on y tout à fait raison de ça. Alors quand on va penser quand même des états d'esprit là nous en ce moment là. Tout ça qui nous attend. Tout ça, nous pas rentrer en polémique, mais quand on va penser de tous ces biens là ça. Moi, on était vraiment fâché. Hein. On était fâché parce qu'on dit quand même nous qu'a utilisé plantes en nous depuis toujours. C'est ouais. pas jeune là qu'on dit, hein, il voit des anciens qui nient l'âge de passer de l'autre monde qu'on est là. Mm-hmm. Et c'est yo, il ben, moi toutes ces informations-là, ça que yo t'es qu'à utiliser depuis yo t'es tout petit. D'accord, oui. Donc c'est pas jeune là nous qu'à soigner nous avec les plantes. Donc moi, en pas d'accord pour moun vin décrédibiliser plantes en nous. Oui. C'est-à-dire que, ok. Nous pas connaître limite à rien, nous pas savoir si des maladies tellement fortes que nous pouvons pas vraiment soigner ou rien qui avait ces plantes là. Mm. Donc ça il faut nous faire quand tu as dit nous ni remettre dans nous ni les médicaments, nous ni médecin là qu'ban nous ça il faut yo ban nous mm-hmm. et nous connaître plantes ancestrales en nous aussi que nous ca continuer utiliser mm-hmm. nous pas ca rentrer dans pas polémique, nous ca continuer faire ça nous toujours té café, nous ca manger en nous ca utiliser plantes en nous qu'on nous toujours té café et nous ca voir ça cabaille. Mais moi en pas ca rentrer dans pas polémique, faut pas utiliser plantes en nous encore, ça pas servir à rien. Mm. S'entendre non, on peut pas comprendre que le monde a dit que plantes en nous pas passer via rien. Ah, alors on est d'accord avec parce que nous le monde qui a mis des taillots au goût du jour, je dis jour parce que même hier tu as regardé une émission, tu nous monsieur qui t'a parlé des ça y a café au Liban, il a parlé des olives propriété essentielle à olives que il a planté. Au sein de côté, on va planter olive là, olive vert. On va parler de ça, on va parler des oranges à eux, on va faire une grosse poêle, un gros citron que on va juste faire en cuisine. On va dire que j'en sais mon aka plébiscité taillot. Et nous ici, nous père dit que ça sont plantes qui bon, ne serait-ce que pour baigner veille. Yo père dit, même si on pas connaître lui, qu'a senti bon, ça l'eau de l'en tête à haut. Ou savent sa terre famille, ou pas baigner veille, ou pas baigner, mais bon, c'est pour baigner, ou pas laver quand on veille. Exactement, faut nous valoriser, habiter en nous, d'autant plus que quand même, nous n'y combien, nous n'y plus de. D'après moi, c'est 15 plantes qui y a dans la pharmacopée. Ah, il y a beaucoup plus. Ah, il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup. Il y a dénommé, mais il y a. Ok, donc il y aura. D'accord. Et c'est presque nous qui n'est toute pharmacopée là. Bon, d'accord. Donc nous ne pouvons pas décrédibiliser ça. Nous ni les alicaments, mm-hmm. hein, la papaye, les goyaves, etc. Tout ça. Mm-hmm. Donc nous ne pouvons pas garder nous, les choses. Vraiment, alors que ça ni richesse là. Ça. Nous ni richesse là. Et des fois, il n'y a pas besoin de mettre un pied poussé. Là, on ne peut pas manger ni grenade, ni grenade, ni melon. Là, on sorti. 2-3 temps après, on va voir qu'il y a poussé. Il n'y a pas besoin de la nature qui a fait travailler. Quand il y en a oublié encore. Mm. Et qui puissant, graine en bas feuille, oui. en pas menée. Mais là où ni la fièvre, là où ni la dengue, c'est graine en bas feuille. Oui. Et tout petit, 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 tout partout. Et quand vous êtes tout seul aussi. Quand vous êtes tout seul. Eh bien, nous, il faut une autre petite pause avec Achaya pour nous rentrer dans la dernière partie émission de tout à l'heure. Mais en tous les cas, ça va faire un plaisir que vous là, encore rappeler les gens qui ont écouté nous, que ce sont des émissions consacrées en majorité aux femmes. Et si vous avez des timidités à dire, n'hésitez surtout pas
à entrer en contact avec nous. À tout de suite.